Et salutations à vous. Donc je suis toujours sur Unruly Hero. Nous allons faire les grottes de cristal que j'ai fait. J'ai fait aussi le niveau suivant. Donc nous retrouvons les aventures de nos quatre compères. Alors vraiment l'équipe de gameplay, l'équipe vraiment de ce jeu a fait vraiment une super étude des quatre héros. Je trouve ça colle assez bien à l'œuvre originale, donc le roman mythique des péripéties vers l'ouest, donc qui raconte dans les péripéties de Wukong, le roi des singes, et de ses trois autres compagnons. Donc j'ai trouvé vraiment ça très très bien fait. Ah, donc j'ai débloqué une tenue pour Wukong. Là, donc nous avons un moine qui est un peu la conscience de Wukong. Parce que Wukong est un singe, je dirais, turbulent, rebelle, qui a des pouvoirs inouïs, bien sûr. Nous avons. Voilà, là, une petite attaque de la miséricorde apparaît. Et indique que maintenant les héros vont avoir de nouveaux pouvoirs. Quand ils s'alignent avec leur statue. Donc quand ils prient auprès de leur statue, oh, ils développent un nouveau I'm pouvoir. Such a space case. I Donc là, totally c'est la statue forgot. de I've Wukong. placed stone statues along the path to watch over you. And I may be a goddess, but I'm still working out the kinks. Donc voilà. Donc là, nous avons le bronze. Un bronze, alors c'était un être assez malfaisant. Il a été transformé en homme cochon. Et suite à cela, il a décidé de suivre la voie de la rédemption. Donc il est devenu Bronze. Et il suit les aventures de Wukong pour sauver son âme. Et nous avons Sanmong, qui est un moine. Lui aussi, il s'est laissé envahir par la colère. Et il souhaite maintenant de nouveau suivre une voie plus sereine de sagesse. Et donc il est parti lui aussi avec Wukong à la recherche des parchemins de sagesse. On prend Wukong, voilà, bien sûr. Pour Wukong, ça va se jouer bien sûr sur son bâton magique. Et le pouvoir du bâton. Aïe! Ça arrive. Alors je joue à la manette, hein. En plus. Je pourrais dire en plus. Alors on va prendre un héros plutôt rapide quand même. Vraiment, Wukong a des pouvoirs. C'est lui le meilleur sur les attaques aériennes. Donc, dès qu'il s'agit de tuer les chauves-souris ou les trucs qui volent, il faut vraiment prendre Wukong parce que Wukong est vraiment surpuissant à ce niveau-là. Voilà. Là, on prend le bras de man, très fort. Aïe! Je n'ai pas pris le bon héros. Ouais. Alors en plus, de plus en plus dans ce jeu, plus le niveau avance et plus il va falloir vraiment prendre le bon héros pour passer les passages. Là, il faut se servir des plateformes. Et c'est parti. Voilà. Voilà. De l'argent facile. Alors, voilà.
Voilà. Grâce à cette attaque là. Alors là, il faut prendre le moine. Voilà. Alors là, on peut en fait viser, envoyer une boule d'énergie. Il faut bien sûr que la boule d'énergie tape contre la cible. Voilà. Qu'est-ce que nous avons là? Ah oui, alors des fois les statues sont fragmentées et il faut les reconstituer pour bénéficier du pouvoir de la statue. Donc là, on va voir le pouvoir du brave Bones. Alors lui, il gonfle comme un ballon. Avec le A, on lâche un peu de pression pour gagner de la vitesse ascensionnelle. Alors, voilà, on lâche un peu la pression. Alors, il faut faire attention parce que plus on lâche la pression, donc plus il va se dégonfler très vite. Ah, alors là, au fond, bien sûr, on active son pouvoir. Là, forcément le passage est plus facile. Alors là, il faut débloquer ça pour ouvrir. On tape ici et maintenant on peut passer tranquille. Voilà. Là on reprend un héros qui flotte comme ça, on se prend tranquille les pièces. Là, le brave Wukong. Voilà, bâton magique. Voilà, on reprend le brave moine. Et voilà. Alors, on est loin d'avoir fini le niveau. Les canyons sont assez longs. Ah, voilà une nouveauté. Donc, moi je les appelle les fleurs fantômes. En fait, elles vont révéler en tapant dessus, en les détruisant, elles révèlent en fait des passerelles ou des objets qui sont un peu dans le monde fantomatique et le révèlent et on peut l'utiliser. Mais ça ne dure qu'un temps limité. Voilà, au bout d'un moment, la plateforme va repasser dans le monde spectral. Alors ici, il faut activer d'abord celle-là. Donc là, il faut y aller assez vite. Et c'est bien sûr toute la difficulté. Alors là, c'est... Oui, alors là déjà, voilà, toujours pareil, à la recherche toujours du meilleur héros. Et là, il faut de la longe pour pouvoir... Mais ça... Je suis pas synchro, donc il faut attendre que les fleurs repoussent. Ah, ouais. Je suis pas synchro, j'arrive pas. Alors je l'ai passé pourtant. Voilà. C'est fait. Ah oui, bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? On révèle donc une plateforme. Alors là, pendant un long passage, on va devoir jouer avec ces plateformes fantomatiques. Ça va représenter, voilà, même là nous allons avoir un challenge. En fait, nous avons des genres de têtes fantomatiques qui nous attaquent, donc elles sont immortelles tant qu'elles sont en fantôme. Donc il faut exploser les fleurs pour les rendre tuables. Alors on va en avoir comme ça quelques-unes à détruire. On va être bien sûr faire bien attention quand elles font leur attaque.
passé. Toujours, nous avançons. Ah oui, alors là c'est un passage qu'on trouve beaucoup dans les jeux de plateforme. C'est celui bien sûr où le mur de fond, où le mur du fond rempli de piquants nous indique à accélérer notre course. Et voilà. Ah, c'est bon, j'ai au pont. Donc là, les chauves-souris ne vont pas faire un pli. Alors là, je me rappelle plus trop. Ah oui, alors là, c'est vraiment toujours pareil, le combo de fleurs spectrales, fantomatiques qu'il faut générer. Et ne pas perdre du temps parce que la fleur est elle aussi sur une plateforme. Ah oui, mais je l'ai déjà pris. Je l'avais déjà pris, ce rouleau de la sagesse. Voilà, là. Mais celle-là, ouais, j'aurais pu prendre plutôt un héros qui a la descente facile. Voilà, alors là, aïe aïe, là voilà, l'erreur. Je n'avais pas enclenché mon pouvoir. Disons que je ne les avais pas rendus visibles. Tant qu'ils ne sont pas visibles, c'est même pas la peine d'essayer de les blesser. Ah, ils vont faire des attaques. Alors ils sont très embêtants avec leur attaque imparable là. Mais le bronze facochère se débrouille plutôt pas mal. Alors là, je sais pas, je crois que bon, je vais quand même vous montrer où ça mène. Voilà, ça mène à une cache de pierres précieuses, de zénith. Bon, ça mène pas. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, je ne me souviens plus. Voilà, on a chargé le. Ah, il y a un bug à ce niveau-là, j'ai pas compris pourquoi. Mais l'écran ne revient pas se centrer sur le personnage, je ne comprends pas pourquoi. Allez, on y va. Voilà. Alors c'est bien qu'ils aient tous leur pouvoir chargé, je sais pas, enfin bon, moi je... Ah oui, hop, d'abord le singe. Oui, j'essaye d'avoir tous les pouvoirs chargés. Ah mince. Et alors là, c'est quoi ça? Le bâton n'a pas disparu, pourtant j'ai attaqué. Ah, voilà. Ah. Voilà. Allez hop. Mon ami le bronze. Voilà, et on est parti. Ah, on peut dire qu'il maîtrise le souffle. Il fait du Qigong. Un peu easy. Nous allons avoir un autre passage. Ah oui, pareil. Alors là, ce sont des guerriers de cuivre un peu là, surarmés, qui aussi passent dans le monde spectral. Donc il faut aller chercher d'abord une fleur pour ensuite les taper. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer en fait. Voilà, ils ont une attaque un peu spé. Mais il suffit, voilà. Bon, là, je suis pas arrivé, mais. Il suffit toujours d'essayer de les taper dans le dos. Alors après, bien sûr, quand ils sont immortels, quand ils sont sous forme de spectre, hein, il faut pas trop les emmerder. Voilà. Alors là,
Alors là, j'ai activé mon pouvoir. J'ai potentiellement mon pouvoir, mais ils sont spectrales. Donc, pas super utile. Ce qu'il me faudrait en plus, c'est qu'ils soient plus spectrales tous les deux. À la même temps. Voilà. Et là. Super attaque. Voilà. Encore quelques-unes. Mais on va essayer de voir si j'ai pas chargé. Non, j'ai pas chargé d'autres pouvoirs. C'est pour ça que c'est intéressant de charger le maximum de héros en pouvoir. Donc de répartir malgré tout la masse de pouvoir. Parce que. Voilà, là ils sont tous rechargés. Donc là ça devient compliqué. Mais le brave moine a des attaques quand même. Voilà, là il fait très mal, je n'ai pas pu tenir plusieurs attaques à la fois de ces méchants. Aïe, je vais m'en prendre une. Voilà, lui il a une sacrée allongée au Wukong avec son bâton magique. Attention, pas chercher trop la bagarre. Vont redevenir spectral d'un peu longtemps. Voilà, ça va rater. Là. Allez, plus qu'un. Aïe. Ah, ils ont de la loge, hein. Il faut faire gaffe. Aïe. Vers le bas. Ah, les attaques vers le bas sont pas mal aussi, j'ai essayé d'en passer mais je vais me concentrer d'essayer d'en passer un peu plus. Et voilà la fin du niveau. Allez, nous nous retrouverons donc pour le niveau suivant avec nos quatre amis, nos quatre héros mythiques. Allez, à ciao et à la prochaine.